Ok, donc nous nous retrouvons à la suite. Je relance le chrono. Voilà, donc je tourne à la suite, hein, mais... Voilà, donc on s'est quitté... Enfin, pour moi, on s'est quitté il y a quelques secondes. Ça, putain, ça sert à rien, il va falloir que je déplace. Oui, je sais, je fais beaucoup de temples de Vénus. Ici, ça fait léger en travail. Entrepôt. Il va falloir qu'on fasse un petit tour pour voir où César va pas être content. Ok, et spécialement là pour le moment. Stock. Bon. Ça c'était le premier gros point de détail. On va voir ce que ça donne au niveau du risque des indigènes. On a toujours un risque ici. Une petite maison qui peut poser problème. On va la relier à... au reste du village. C'est un ermite qui l'a, je sais pas. On va déjà commencer à déblayer. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Commencer à déblayer. Ça coûte des sous et César nous a déjà fait un emprunt. Enfin, on a déjà fait un emprunt à César. C'est pas forcément une bonne idée ce que je suis en train de faire. Niveau militaire. On a que Puc, c'est normal. On est ouf là-dedans. On manque de main-d'œuvre, donc ça veut dire que j'ai déjà créé trop d'emplois. Juste le militaire parce qu'on peut pas s'en passer. On le repasse en 7. On repasse à 100%, on voit ce que ça donne. J'ai oublié de raccorder ça à la route. Ah si, ça arrive quand même. Mais c'est mieux qu'une route. Parce que sinon il va me dire « Ouais, votre population est isolée. » Et résultat, je pense que mes puits d'argile, je les crée là. Même là. Ouais, parce qu'ici je suis sûr que ça va pas le faire. Ici je suis sûr qu'il va y avoir du chômage. Il n'y a pas assez d'industrie, donc on va faire ça. Ah oui, il y avait là. Non, mais en fait, non, je... Oui, détruis-le. Juste faire un truc.
juste vraiment par sécurité. Enfin, je suis en train de faire ça, mais il n'y a pas de population à proximité. Et puis, je vois pas comment ramener de l'eau là. Si, par là. Attendez, j'aimerais sauvegarder ici un truc. Autochtones. Ok. Donc on va devoir vivre avec de toute façon. Thank you.
fin ça va faire moche, mais je m'en fous, c'est pas chez nous. Bon. Ce que donne la cape de l'eau là. Oui, ça n'a pas encore été utilisé. C'est juste histoire de voir où est-ce que je peux refaire la population. Déjà, on va refaire la ferme. Chante à ménager cette année. Pareil, parce que là l'agriculture ça va être sympa, mais c'est sûr que ça va pas que tout comment que va y avoir quand même de la du chômage, donc on va essayer quand même de mettre quelque chose de faire de la comment de l'industrie ici, je sais pas encore de quoi. De meubles, on peut importer du bois pour faire du meuble, on verra bien ce que ça donne. Le problème c'est que le meuble, je suis sûr qu'on peut pas le réexporter. Non. On peut faire de l'export de poterie, j'avais pas vu ça. Ah oui, d'accord, il est pas encore il est pas encore assez actif. Ok, on est à 5 minutes de vidéo pour cet épisode. On repasse à 100%. J'ai encore un doute sur le lancement de la vidéo. Juste moi pour répondre, on en a toujours pas, César. Toujours de population. Governors think money grows on trees. Ok, alors. Ok. On a un problème. On a un gros problème de finance. On va devoir augmenter un peu les impôts. Ça va pas leur plaire. Voilà, bon. Non, c'est bon, je remonte.
Non, je rechute, Ok, ok. On arrête l'import. Je suis désolé, on arrête l'import. De stocker sa gueule, c'est parce qu'ils ont faim, hein, les mecs. Les frais, on va en réimporter. Bon, alors attendez, au niveau finance, on monte là, mais alors 1700, ça me coûte 1700. Et non, mais je suis désolé, mais je suis toujours dans le. Je viens, mais c'est tricky que cette histoire. You again. Ah, bon, allez, c'est tombé. C'est la merde. Je change, je vais recommencer un petit peu. Mais non, hey, il est sympa. Hein. Parce que franchement, j'ai déjà eu des parties où, il gueulait plus que ça. Il aurait déjà dû nous renvoyer l'armée. C'est quoi ça? Putain, d'accord, le grenier c'est bon. Bon. Oui, bah les mecs. Enfin, ils détruisent le grenier, c'est balèze quand même. Ok, ils ont détruit le lieu de temple et le forum. Alors, on va essayer de remonter un peu la situation quand même. Je suis en train de remonter financièrement tout de même, malgré les, gros aléas. Mais je sens qu'on a César sur le dos, quoi. Oh, j'ai ça. J'ai ça, mais on s'en servira plus tard. Si je retombe dans le négatif, j'utiliserai ça. Est-ce que par hasard, est-ce que je peux pas faire un truc sérieux? Veuillez m'excuser une seconde.
Ok, c'est reparti, un problème de type félin. Donc, on était où dans cette histoire? Je devais essayer de remonter les finances, qui sont en hausse. Mais de peu, mais de très très peu. Et il va falloir que je remette des impôts. Ici, ils payent pas d'impôts déjà. Donc déjà, on va résoudre ça. Ok. Et eux, ils en payent pas encore. De Vénus, dispensaire, ok, ce qu'il y avait ici. Dégagez les machins. Pareil, il n'y a pas assez de distraction dans le secteur, donc on va garder aussi la carte des problèmes. Ah, c'est bizarre, il m'indique qu'il n'y a aucun problème, c'est ça le pire. Bon. On va essayer de s'attaquer quand même à la... à l'équilibre au niveau du travail. Ça s'est régulé par lui-même quelque part. Je suis en train d'envoyer mes soldats là-bas quand même pour voir si je peux faire quelque chose. D'ailleurs, à ce propos, les puits d'argile, résultat, ils sont bloqués. Il va falloir que je crée des entrepôts spéciaux pour l'argile. On va faire un secteur là. Toujours plus que voilà. Et c'est en attendant, bien sûr, les ateliers de poterie qu'il faut que je fasse quelque part. Bah, dans le résultat. Nul. Les ateliers de poterie, je vais faire là-bas. Parce que j'ai annulé un truc, alors évidemment, on ralentit sa merde. Et j'ai pas relancé le chrono encore. Ah si, je l'ai relancé, autant pour moi. Je l'avais spécialisé, hein, dans le... Non, par contre, dans le bas... poterie... J'accepte que la poterie... J'ai un doute... J'avais refusé la poterie, Et parce que je fais que de l'import de vin et... Ok. Bon, on a un manque d'effectifs, mais ça va remonter. C'est pas un problème.
réfléchisse, attendez, que je réfléchisse. Il va nous falloir un entrepôt là-bas pour le... pour l'argile. Et on va se mettre quand même aux distractions. Parce que on va se mettre aux bibliothèques notamment. Ce qu'il leur faut avant tout, c'est un petit temps. Je vais faire un truc, mais non. Non, c'est pas ça. Bon, faut absolument que maintenant je remonte les finances. J'ai toujours le joker de mes 9002 qui est quelque part, mais... Ok, ça remonte. Je suis à 700 deniers. Ok, et apparemment avec lui ça se passe bien. Ah oui! Que j'importe. J'importe que dalle. On va voir ce qu'on fait avec l'import. Déjà, j'attends que ça remonte. Oh la vache, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de passer à 3000 d'un seul, j'ai pas tout compris. Bon. Tu marbres? Bah putain, heureusement que j'ai exporté à partir de 10. C'est ça, hein? Même pas. Il y avait de la chance que je les ai en stock. Bon. Bon, question, où en est la bouffe? Si tu as besoin de 100 employés, d'accord, donc on est en manque de population. La nourriture est en réserve, pour, on a deux mois de réserve de nourriture, donc c'est très bien, on gère la nourriture. On gère la bouffe. On la gère pas partout, par contre. On va refaire des fermes de toute façon. Allez-y, c'est bon, on a redressé le... On a redressé les problèmes de... Vache, ils sont efficaces au boulot, les mecs. Bon. T'as à peine posé les trucs qui s'activent, hein. Y'a pas de soucis, hein. Bon, on va remettre un petit grenier. Putain, il a de la chance, à chaque fois j'ai 10 pieds. Bon. Écoutez, c'est la fin de cet épisode. Je sais pas si je vais tourner l'autre à la suite. Arrête de vibrer, toi. On avance. D'accord, mais c'est bizarre, vous avez tout à portée. Ah non, ils ont pas de lieu de culte à portée. Et pour vous le caser, celui-là. Pour vous le caser. Ah, vous le caser là, trop pire.
Alors, que nous donne notre population? On est toujours en manque de population. Mais ça augmente. Et on est à 9000... On est même à 10000 en fou. Bon. Le marbre, on va exporter à partir de 20. Parce que je sens que César, il va nous emmerder longtemps. D'accord, et j'ai trouvé là où on manquait de population. Stock de l'empereur, on a les stocks. Donc c'est ici qu'on manque de population. Mais je vois que ça peut être évolué. Donc eux, ils n'ont pas accès à la nourriture, donc ils manquent de nourriture de toute façon. Écoutez, les finances ont remonté. Donc, fuck it. Ah oui, mais non! J'ai déconné sur le vin, moi, mais en fait, oui, je me souviens à quoi il sert le festival. Il sert à organiser, enfin le vin sert à organiser des festivals, mais c'est pas important. Mais César peut nous en demander, donc on va en faire quand même. Juste histoire de remplir un entrepôt en fait. Et on fera quelques festivals pour notre population. Quant au reste, ouais, donc il va falloir qu'on importe des fruits et de l'huile. Par ici, on va en refaire. Faut juste que je regarde la carte de l'eau. Et je crois qu'on s'est bloqué sur l'eau. On s'est bloqué sur l'eau, peut-être pas. On va tenter. Alors eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Pas de cause diversion dans le secteur, c'est normal. C'est parce que j'ai omis de vous mettre un théâtre déjà. Donc déjà ça joue. Et tout simplement parce que bah, vu qu'on manque de population, eh ben il n'y a personne dans les loisirs. Et qui est donc fort possible qu'on passe en priorité, juste histoire pour vous. On va voir un peu ce que ça donne. Ça donne déjà beaucoup. Glissement de terrain encore, toujours. Ok. On manque toujours un peu de population. Je surveille mes finances, notamment. Ça a l'air d'être à la hausse, mais nettement moins à la hausse qu'avant à cause de l'import. Et ces loups commencent à m'énerver. Et ben ça y est, on commence à avoir un petit peu de chômage. Donc, on a passé un cap difficile. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Que nous disent nos conseillers?
Alors déjà au niveau des impôts. Au niveau des impôts, on est bien à l'équilibre, on est parfait. Seulement 80% des habitants payent leurs taxes. Ah, donc on va devoir bâtir encore quelques forums. Et il serait peut-être temps que vous terminiez cet épisode depuis le temps. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Et je vous dis à bientôt.